Christine, mais aujourd'hui t'es pas trop de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a exactement? J'ai fait un rêve la nuit dernière. Quel rêve? Viens, mon fils. Bienvenue, grand enfant de Saï. Ici, c'est ta maison. Tu appartiens à ces lieux. Et ça, c'est pour toi. Petit fils d'Ara! Austin, mais combien de fois je t'ai déjà averti de ne plus te battre ici à l'école? Austin, et d'ailleurs, tu ne fais même pas tes devoirs en classe. Tu es vraiment paresseux et tu n'arrives même pas à répondre ne serait-ce qu'une question dans ta classe. Et d'ailleurs, tu n'as aussi passé aucun test ni aucun examen dans cette école. Ce que tu sais faire, c'est te battre. Taper tes amis de classe. Dis-moi, ne veux-tu pas être quelqu'un d'important pour toi-même ou pour la société? Je suis désolé, messieurs. Je promets de changer. Changer? Austin, tu as toujours promis de changer plus de millions de fois. Mais en quoi tu as changé du mal en pire? Croyez-moi, messieurs. Je promets de changer. Austin, c'est déjà très grave. Les autorités de l'école ont décidé de te chasser de cette école. Non, messieurs. Donne ça à tes parents. Non, messieurs. Ne les laisse pas faire ce genre de choses. Mais qu'est-ce Je que je fais promets encore? de changer. Thank you.
Austin. Je suis ta vraie identité. Je suis ta destinée. Et personne ne survit en dehors de cette destinée. Tu appartiens à Osaï. Et ce, jusqu'à ce que tu retournes pour le sauver de cette souffrance. Les larmes et les chagrins continueront à te suivre tous les jours de ta vie. Et tu ne peux pas résister à cela. Tu parles de quoi? Il y a beaucoup de choses à propos de toi-même que tu ne connais pas. Et voilà pourquoi ta vie est brisée. A painful life, all I do is cry. A painful life, sometimes I want to die. I need help. Someone come to my rescue. Oh God, God, where are you? Please come to my aid. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi. Je ne sais pas pourquoi ma vie est telle misérable. J'ai toujours voulu être une bonne personne. Mais plus j'essaye, plus j'échoue. Je comprends comment tu te sens, Stine. Mais ce n'est pas la fin du monde. Plutôt, essaye encore de penser à ta vie. Et comment arriver à changer comme il le faut. Et comme ça, tes parents pourront te trouver une école où tu pourras commencer à étudier. Cette histoire ne sera plus pareille. Mon cher, tu ne comprends pas. Dieu m'est témoin. Je ne sais plus comment m'y prendre. J'ai toujours voulu être un bon garçon comme toi. Mais malheureusement, je crois qu'il y a une force qui me pousse à causer du trouble. Et du moment où ça me quitte, je regrette. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas avec moi. Je pense que tu as sérieusement besoin de prière. Where do I go from here? Who do I run to? What should I do? Oh, my life is full of pain. Every day and night I
they cry. Oh, what did I do wrong? Who have I offended? A painful life, all I do is cry. A painful life, sometimes I want to die. I need. Répète après moi. Moi, on nomme ta mère. Je veux t'avoir. Je veux t'avoir. Du grand Osaï. Du grand Osaï. Toi, tu seras son serviteur. Toi, tu seras son serviteur. Et tu le resteras toujours. Et tu le resteras toujours. Rien ne t'arrivera en tant que son serviteur. Rien ne t'arrivera en tant que son serviteur. Et même pas de moi, ta mère. Et de même pas de moi, ta mère. Le grand Osaï, je t'offre mon fils aujourd'hui. Le grand Osaï, je t'offre mon fils aujourd'hui. Le grand Osaï. Grand fils d'Osaï. Tu as déjà parcouru un long chemin. C'est très bien que tu sois arrivé à la verge de la victoire. Oui, lève-toi. Lève-toi et avance. Avance. Où irai-je? Ta place de confort. Ta maison. D'où tu auras la réponse à toutes les questions de ton cœur. Connais-tu les questions de mon cœur? Tu connais les choses par lesquelles je passe? Bien sûr, moi, Akwekija, le gardien de cette place de confort, oui, je peux voir tout ce qui te concerne, clairement. Et pourquoi est-ce que toutes ces choses m'arrivent? Pourquoi ne puis-je pas réussir comme tout le monde? Pourquoi est-ce que ma vie est si misérable? Tout le monde me hait. Tout le monde me rejette. Même mon école. M'a renvoyé. Pourquoi? Ils te haïssent parce que tu ne leur appartiens pas. Tu ne fais pas partie d'eux. Tu appartiens au Saï. Ce grand pouvoir ancestral qui contrôle le pouvoir de la foudre. Au Saï? Oui, au Saï. C'est là que se trouve ton avenir et ta joie. Pourquoi?
Pourquoi t'es en train de pleurer? Hein, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose qui s'est passé? Je ne veux pas te perdre. Me perdre? Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas où tu voulais vraiment en venir. Honnêtement, j'ai très peur. Ça fait déjà 3 ans que je n'arrive pas à avoir un enfant. Voilà qu'elle commence encore. Mais chérie, je ne me plains pas. Je n'en fais même pas un problème. Tes parents avaient voulu que tu te maries à temps pour que tu leur donnes des petits-enfants. Ils ont besoin de voir leurs descendants. Tu vois un peu ce qui dérange? Oui, chérie. Ça, c'est vraiment la vérité. Mais mes parents ne se sont jamais plaints à propos de ça. N'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'attendre leurs plaintes. Mais pourquoi vont-ils se plaindre? Je peux bien le voir dans les yeux. Ils ne sont pas contents de moi. Arrête ce que je dis, la femme. Il faut juste que tu arrêtes. Arrête ça. Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien que mes parents sont des chrétiens. Et ils croient au temps de Dieu. La fois dernière, quand je les ai visités, ils étaient d'ailleurs en train de m'encourager. Il fallait que j'aie patience et que je croie en Dieu. C'est ça. Tuzan. Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Hey, mon Dieu. Tu vois de quoi est-ce que je parle? Tu vois de quoi est-ce que je parle? Tu es parti voir tes parents pour te plaindre à propos de ma stérilité? Mais quoi? Tuzan. Oh non, mais c'est quoi vraiment ton problème? Est-ce que je t'ai dit que j'étais parti me plaindre chez eux? Non, j'ai raison. Alors dis-moi de quoi est-ce que j'étais en train de discuter pour qu'ils puissent enfin t'encourager. Vas-y, dis-moi un peu. C'était comment? Tu sais quoi? Je remarque que tu n'as pas vraiment envie de parler maintenant. Et lorsque tu auras fini de pleurer, rentre pour dormir. Ayez patience en Dieu. Lui t'invite. On dit toujours, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. C'est pour te dire qu'il faut attendre le temps de Dieu. Et c'est toujours au bon endroit et au bon moment. Et il fait toutes choses merveilleuses. Hein, ma fille? Ok? Alors, ne t'inquiète pas à propos. Ne sois pas inquiète. Je t'aime énormément. De rien, maman. Dieu est au contrôle, tout va très bien se passer. Ok. Laisse-moi te dire, tu dois vite agir avant que tu ne perdes ton mari. Tu sais, ce que ses parents veulent, ce n'est pas la femme. Ils veulent le petit-enfant. Alors, si tu n'arrives pas à leur donner des petits-enfants, tu seras complètement éhonté. Et crois-moi, ils vont aussi chercher une autre femme pour leur fils. Sans effet, que Dieu en épargne. Ma chérie, qu'est-ce que je vais donc faire? Que ferais-je? J'aime énormément mon mari. Et je n'ai pas du tout envie de le perdre. C'est la raison pour laquelle tu dois vite agir. Mais qu'est-ce que je peux donc faire? Je peux tout faire. Je suis prête à tout faire pour sauver mon mariage. Je vais t'aider. Je veux toi? T'aider. Toi? Oui. M'aider? Je veux t'aider.
Mais non, pourquoi? Elle est ma femme. Monsieur, je comprends, mais vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur maintenant. Je vois que vous ne comprenez pas. Je dois être là pour elle. Attendez juste. Elle sera bien. C'est aussi ça ma première préoccupation. Attendez, elle sera très bien. Ok? Ça va, détentez-vous. Hein? Au compte de trois, poussez. Hein? Un, deux, trois, poussez. Oui, mettez encore un peu d'effort. Poussez. Allez-y, continuez, n'arrêtez pas. Poussez, poussez encore. Oui, allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Attendez, prenez encore un peu de souffle. Prenez du souffle. Maintenant, on va essayer. Allez-y, poussez. Oui, madame, n'arrêtez pas. Poussez. L'enfant est né. Le grand maître de la foudre. Le grand maître de la foudre. Donner. Le grand maître de la foudre. Le grand maître de la faute, le grand Osaï. Docteur, félicitations mon frère, votre femme a accouché un joli bébé. Merci Jésus. Docteur, docteur. Vraiment, c'est bien. Merci c'est beaucoup. Bien. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez dit un petit garçon. Oui, oui. Donc je suis ton père. Oui, oui.
Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici que le Seigneur a fait. Et il est merveillé de notre côté. Oui, il est merveillé de notre côté. Madame, cet enfant est un enfant spécial. Oui, amen. Amen. Une bénédiction pour ceux qui croient en Dieu. Amen. Et cet enfant est un signe que Dieu est en train de faire de grandes choses. Merci, parce que nous avons cru en lui. Amen, amen. Alors, élevez-lui dans les choses de Dieu. Alléluia. Afin que lorsqu'il grandira, qu'il n'oublie pas cela. Prions amen. Pour cet enfant. Non, non. Père, au nom pas de Jésus. Ça, au grand nous venons fils te remettre cet enfant. C'est toi qui nous as donné. Et laisse qu'il grandisse en suivant. Hé, hey, regarde-le. Il dit quoi? Oui, il te ressemble. Beaucoup même. C'est vrai ça, maman. Tu vas l'allaiter pendant une année et 4 mois. Maman, non, pas jusque là-bas. Tu sais, c'est ce que non, ton père m'avait demandé de faire. Je refuse, toi. Maman, et tu non. dois aussi le faire pour ton fils. Et après ça, c'est pas grave si tu n'allaites pas. Tu sais, c'est vraiment un miracle. Mais non. Regarde ce petit bonhomme. Il me fait même sourire. Ah, tu as raison. Oui, j'ai raison. Voilà pourquoi je suis contente. Tu sais que j'avais raison. Hein? Je sais. C'est bien moi, maman. Tu sais, c'est ça que j'étais en train de te dire. Que Dieu demeure notre seul espoir. Que Dieu soit loué. Oh. Tu vois maintenant. Mon enfant, permets-moi de te laisser un peu avec l'enfant. Merci. Hein. Regarde comment il s'amuse. D'accord, maman. Repose-toi un peu, ok? Amen, non. Repose-toi, ok? Je pars dans la cuisine te préparer quelque chose à manger. Ah. Je vais te faire une sauce spéciale okay. pour que tu permettes à l'enfant pas de problème, bien allaiter, ok? Ok, maman. Prends je vais bien soin prendre de soin de lui, okay? maman. Et je de le toi ferai. Aussi. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Oh oui, Dieu merci. C'est très bien. As-tu osé fourrer avec ton fils? Comment oses-tu? As-tu oublié ton alliance avec le Dieu de la tonnerre? As-tu oublié? Maintenant, écoute, femme, tu n'as que 7 jours. 7 jours pour emmener ton fils au sanctuaire pour les rituels. Sinon, la colère d'Osaïe va faire tomber toute cette maison. Tu dois respecter l'alliance. Tu es averti. Tu es averti. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Dis-moi. Donne-moi ces bébés. Je te demande de me donner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Chérie, tu vas bien? Oh, Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée. Cette prêtresse a promis de tuer tous les membres de ma famille. Tu devais voir ce qu'elle m'avait fait hier. Je suis sûre qu'elle veut juste que je respecte les consignes. Je l'ai connue il y a beaucoup d'années maintenant. Qu'est-ce que je vais donc faire? Qu'est-ce que je veux faire? EJ, tu sais combien est-ce que j'aime ma famille. Tu sais comment je me quête pour ma famille. Tu le sais bien, je ne veux pas que quelque chose de mal arrive à l'un d'eux. Osaïe n'est pas quelqu'un avec qui tu peux blaguer. Tu t'étais convenu avec elle. Et elle a déjà honoré un de ses engagements en te donnant un enfant mâle. Alors, je te conseille de rentrer dans ses sanctuaires et termine ton engagement
et là tu seras libre. Mais je t'ai déjà parlé, ne va même pas là-bas. Ce n'est pas nécessaire, ne va même pas là-bas. Sauve d'abord ta famille. Ichi, tu veux dire que tu ne me crois pas? Tu ne crois pas ce que je t'avais dit il y a de cela 2 mois? Oh non, mais cette chose est la plus difficile. Je n'ai jamais entendu ça toute ma vie. C'est vraiment faux. Ichi. Ichi. Donc tu ne me crois pas? Tu penses que j'ai mort? Non, de même que cas, lui. Oui, de même c'est que lui, vrai, lui mon fils. Oui, oui. Tu sais, à le voir faire, je ne suis pas surpris. Et c'est un enfant qui me plaît tellement trop et je suis capable de le propulser. Et du moment où il aura fini avec ses études primaires, j'espère l'envoyer ailleurs où il va finir avec ses études secondaires et supérieures. Non, mais essayez de me regarder cet homme. Oui, je t'ai dit. En tout cas, ça c'est une très bonne idée venant de toi. J'ai beaucoup aimé. Bien sûr. Tu sais que ces messieurs-là est le centre même de toute ma richesse. Oui, il va perpétrer la lignée familiale. Et tu sais combien de temps mes parents se sont mis à attendre cet enfant? Et ils étaient déjà en train de me déranger. Je l'ai eu avec tant de peine. Et maintenant qu'il est là, je veux me battre à fond pour lui offrir la meilleure vie. Mais regarde-moi toi. Mais je t'ai dit, d'ailleurs en train de parler comme un grand-père. Mais c'est évident, je suis un grand-père. Vraiment? Mais attends, mon cher, tu sais, quand tu es un enfant, mais tu seras dans la joie. Donc finalement, tu as quand même reçu quelqu'un qui va t'aider à relever ton business pour que ça ne meure pas. Hein? Oui, c'est comme ça, mon cher. Et maintenant, il m'a donné la possibilité d'aller gagner plus d'argent. Vraiment? Parce que tu travailleras avec conscience, sachant qu'il y a quelqu'un ça qui attend que tu gagnes ta vie. Et surtout pour nous, les grands-parents. Sérieux? Et comment la famille? Bien. Quoi de nouveau? Ma femme, elle a fait un petit déplacement à l'étranger. Ah bon? Oui. Vraiment. Tu sais, toi t'es mon ami. En tout cas, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. T'as tué mon ami. Je suis une femme désespérée. Je promets, si vous me donnez un enfant, si je peux vraiment l'avoir, mon fils et moi allons servir Osaï toute notre vie. Tu auras un enfant comme tu l'as demandé. Mais 7 jours après sa naissance, tu dois l'emmener ici pour des rituels proprement dits. Après cela, tu seras instruite de ce que tu vas faire. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 5 semaines. Maintenant écoute, femme, tu n'as que 7 jours. 7 jours pour emmener ton fils en sanctuaire pour des rituels. Sinon, la colère de Osaï va fermer toute ta maison. Alors je pense que tu es averti. Que Dieu en épargne. Moi, Onome, emmener mon bébé dans ses sanctuaires, ça ne sera jamais possible. Osaï n'est pas quelqu'un avec qui blaguer. Tu t'étais convenu avec lui. Elle avait déjà honoré son premier engagement en te donnant un enfant mâle. Alors, je te conseille de rentrer dans ses sanctuaires et terminer ta part d'engagement et tu seras libre. Petit chéri, et regarde-le. Ta maman va venir t'allaiter bientôt, t'inquiète pas. Laisse-moi aller laver tes habits un peu. Thank you.
Où est le bébé? Maman, c'est à moi de te demander. Hein? Comment tu peux me poser cette question, non? Les bébés, non? Maman, tu me mens, n'est-ce pas? Comment je peux te mentir? J'ai laissé l'enfant ici. Quand je finis de le laver, je suis allée mettre les habits sales dans l'eau pour le laver. Maman, de quoi parles-tu? Je suis très sérieuse, oh. Maman? Maman, de quoi parles-tu? Je suis en train de laver les habits sales. Hein? Maman, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Tu l'as laissé ici, maman. Mais de quoi parles-tu, dis-moi? Mais je t'ai dit ce que j'étais en train de faire, non? Hey. Oh mon Dieu. Je l'ai juste laissé ici. Oh mon Dieu. Oui, mon Dieu. Ici. Mais quand je suis allée, je l'ai laissé mais ici. Mais où es-tu, non? J'ai fini de l'habiller et je l'ai mis ici, oh. Hey, maman. Mais où est-ce qu'il peut partir, non? Mais maman, où est mon bébé? Non, maman, où est mon bébé? C'est ce que je te dis, non? Tu vas peut-être le retrouver. Va demander à ton maman. Mari. Maman, de quoi parles-tu? Son papa m'a demandé de venir prendre le bébé ici. Mais hey! Tu me dis ça, s'il te plaît. Hey! Hey, maman, maman, mais où est mon bébé? Hey, maman? Allons-y vite, pardon, le chercher, oh. Dieu. Allons le chercher. Maman, ah, cherche maman, le bien. Oui, cherche le coin des recoins. Comment on peut pas retrouver cet enfant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai juste laissé là-bas. Cherche le bien, cherche le bien là-bas. Mon Dieu. Mais. Mon Dieu. Tu es stupide, tu ne comprends rien, toi. C'est comme ça que tu fais ton travail. Je te paye pour ça. Oui, bonjour. Désolé, bonne nuit. Tais-toi, imbécile. Est-ce que tu as vu quelqu'un passer par ici? Qui ça? Je te demande de savoir s'il y a quelqu'un qui est passé par ici et tu me préposes la même question. Non, 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 monsieur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça signifie que notre bébé a juste disparu comme ça? Disparu? Ah, mais patron, ça ce n'est pas normal, hein. Tu es comment? Tu es un idiot, toi. Est-ce que tu t'entends? Non. Je viens de te dire que mon bébé a juste disparu et tu te mets à dire des bêtises. Tu es fou. Va chercher mon bébé. Et tu te payes pour des bêtises. Hein? Idiot. Je te paye pour ça. Tu t'es mis à dormir alors que quelqu'un est entré et a pris mon bébé. Et maintenant, tu ne sais même pas comment me répondre. Et quand je te parle, tu penses que c'est une aventure. Jésus. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? S'il te plaît, calme-toi. Tu ne peux pas dire ça. Ça peut être vrai. De quelle vérité parles-tu? Laquelle? Tu veux m'expliquer les mécanismes par lesquels mon fils a mystérieusement disparu? Ou quoi d'autre? Oh, chérie, s'il te plaît, écoute d'abord. Remercions d'abord Dieu. Remercions Dieu d'avoir délivré notre enfant de mains de ses ennemis. Regarde. Toutes ces choses ne peuvent pas être apprises à la légère. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. C'est mon fils, mon unique fils. J'ai souffert pour l'avoir.
demain dans la première heure, nous devons aller à l'église et confesser, voir tout ce péché. Non, chérie, s'il te plaît, qu'on n'arrive pas jusqu'à ce niveau, je t'en prie. Oublions juste ça. Demandons à Dieu que notre fils soit épargné de tout danger de l'ennemi Satan. S'il te plaît, mon amour, sois d'abord calme, hein? Je pense que ça se fera demain matin. Bonne nuit. As-tu oublié la colère du Dieu de la foudre, hein? Écoute-moi, femme. Tu n'as que sept jours pour emmener ton fils au sanctuaire pour des rituels. Sinon, toute ta maison sera par terre. Je te le dis. Tu es averti. Cet enfant appartient au grand maître Osaï. Jésus-Christ de Nazareth, c'est quoi ça? C'est quoi ça, non? Je venais juste balayer, il n'y a pas longtemps ces carreaux, et tout était propre. Et je suis allée laver les habits. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Hé, je ne comprends rien. Désirer les pires. Maintenant, Osaï, le grand dieu de la foudre, désire le sang de ton fils. Non, s'il vous plaît, non, vous ne pouvez pas avoir mon fils. Je vous en prie, ne le prenez pas, s'il vous plaît, pitié, ne le prenez pas. Emmenez l'enfant. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je vous en prie, s'il vous plaît, pitié. Non, s'il vous plaît, ne le faites pas, ne le prenez pas. Le grand dieu de la foudre, je le prends. Non, je vous en prie, ne prenez pas mon fils, s'il vous plaît. Pitié, ne le prenez pas, je vous en prie. Non. Chérie, qu'est-ce que tu as vu?
Qu'est-ce qui se passe? Mon amour, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Non, 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 c'est juste un cauchemar. Mon bébé... C'est juste un cauchemar, calme-toi. Ça va aller, mon amour, calme-toi. Chérie, c'est juste un cauchemar, calme-toi. Viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Jova Elohim. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oh, Madame Abata. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, oh, Madame Tata, Tata. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint. Elohim. Viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Oui, Maracote. Viens. Oui, wa. Oui, wa. Viens. Ah, oh, la ma, ta, 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 ta. Esprit Saint. Ah, oh, la mia, pa. Viens. Esprit Saint. Les esprits me parlent. Viens, oh, viens. Les esprits me parlent. Madame, c'est une situation très difficile. Mais Jova, celui qui combat pour nous, va combattre pour toi. Tous tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Amen. Amen. Mais Dieu dit, il faut que tu donnes cette verge où on met les bougies de l'ange Michael. Et cette autre verge de bougie de l'ange Gabriel. Et cette autre verge pour l'ange Raphaël. Cet esprit. Et cette autre pour l'ange Émile. Ces différentes sortes de colas. Je vais rassembler tout cela. Cette bouteille de l'huile sainte. Amène ça. Et je vais collecter. Je veux parler sur ces choses. Cet esprit. Ce sont tes instructions. Les esprits ont parlé. Quel truc de l'ange Gabriel. Je n'ai pas Dieu compris. A dit, sois dans la paix, femme. Si tu n'es pas capable d'amener toutes ces choses, tu dois amener une offrande. 120 000 naira. Hey. Et je vais aller acheter toutes ces choses pour toi. Et Jésus va commencer. 120 000 naira. C'est l'Éternel qui l'a dit. Et tu dois faire vite. Alors nous allons commencer la cérémonie. Hey. Ok. Je le ferai. Mon amour, j'ai quelque chose que j'aimerais discuter avec toi. De quoi veux-tu me parler, Torsi? Ça ne peut pas attendre demain matin. Oh, s'il te plaît, non. Je ne te prendrai pas beaucoup de temps. Je t'en prie. Vas-y alors. Merci. Mon amour, j'ai besoin d'argent. Je dois payer pour ma jeune sœur le frais. Et le papa n'a pas d'argent ces derniers temps. De combien a-t-elle besoin?
Elle m'a dit que ça peut faire 120 000 naira. Mais tout ça? Oui, bien sûr, mais mon amour, elle est ma jeune sœur. Tu sais que je ne peux pas la laisser juste comme ça. S'il te plaît, je dois l'aider. Bon, d'accord. Rentre dormir et demain matin, on va voir comment décaisser cette somme pour toi. Merci. Encore une fois, merci, chérie. D'accord. Dors bien, mon amour. Maman, comment ça va? Je vais bien, mon cher. Tu es rentré à temps aujourd'hui. Ah oui. Comment il va? Il va bien. J'ai oublié de parler à papa. Et maintenant, là, je dois monter pour discuter avec lui. C'est bon, alors. Où est ma femme? Ta femme? Oui. Elle est sortie. Ta femme avait dit qu'elle allait voir son amie. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle est allée voir une amie. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Maman, je dois déjà partir. Ah. Oui. Sois prudent. Bébé. Bon, il ne fait que dormir. Thank you.
Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Parce que le Dieu puissant dans les combats vient avec le feu pour consumer tout celui qui se considère comme ton ennemi. Okunerere bebeko, viens avec le feu pour consumer. Amen. Les feux pour consumer. La délivrance entre. Pardon. Pardonne-moi. Hey. Je ne vais plus jamais essayer. Pardon, je ne le ferai plus, ne me tue pas. Dans ta vie prochaine, tu apprendras à poser des questions avant de t'engager à un rituel quelconque. Et toi, femme, je crois que tu étais avertie. Dès que les 7 jours vont prendre fin, toi et toute ta maison allez surmonter la colère des Osaï. Tu es avertie. Prophétesse. Hey, attends. Il doit avoir quelque chose qui se passe quelque part. Je peux facilement sentir qu'il y a une puissance ténébreuse quelque part. Je suis vraiment stupéfié de voir toutes ces choses arriver. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a des cauchemars qui arrivent de manière constante et certaines habitudes qui n'ont jamais eu lieu dans notre maison. Les femmes, on ne peut jamais leur faire confiance. Ma prière est celle que Dieu nous épargne de ce qui peut être la situation. Telle est ma prière. Inspiration. Il fallait essayer de revenir avec beaucoup plus de précautions. C'est à savoir que la réussite, la richesse, sont le prix de la patience. Qui es-tu? Akwekija. Je suis le gardien de cette place de confort. Mais tu sais, la mortalité ne peut pas délivrer la mortalité. Pourquoi veux-tu te détruire toi-même? Pourquoi?
tu me fais rappeler de Adori, qui, en se souciant d'avoir un mari, était venu ici à Osaï. Osaï te donnera un homme. Et si cela arrive, n'oublie pas de faire aussi ta part. Et si tu ne le fais pas, Osaï va te détruire et toute ta maison. La mort! La mort te surprendra et toute ta maison. Il lui a été demandé d'amener des objets appartenant au mari qu'elle voulait épouser. Et c'est là 7 jours après que sa dot soit payée. Mais malheureusement, 7 jours se sont écoulés sans qu'elle puisse emmener quelque chose. Parce que lui ne voulait pas dormir avec elle avant le mariage, à cause de sa foi et de sa religion. Cependant qu'elle n'était pas capable de donner ce qui lui a été demandé. Alors, Osaï était parti la visiter. Oh non, mais que ce soit un avertissement pour toi. Retourne au sanctuaire et remplis ta promesse. Entendu? Sinon, ton cas sera pire. Nommé. Pourquoi es-tu comme ça? Et c'est quoi le problème? Rien. Mais attends, je t'ai vu pleurer. Oui, tu pleures. Oui, tu pleures. Non, je suis pas en train de pleurer. Attends, je te demande, est-ce que je peux les appeler? Mais viens d'abord, hein? Je voudrais te parler. Tu as trop de saleté dans ton corps. Hein? J'espère que tout va bien. Assis-toi. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le problème? Je t'écoute. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Je suis ta mère. Je suis prête à t'aider, mais pourquoi tu pleures? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, regarde-moi. Est-ce que tu peux me regarder? Maman, laisse-moi. Je veux que tu me regardes. Oui, regarde-moi. Cette façon à toi de pleurer me dit qu'il y a quelque chose vraiment qui te dérange. S'il te plaît, dis-le-moi, ma chère, dis-le-moi, hein, mon enfant, dis-le-moi, je suis là pour t'aider. C'est bon, mais c'est quoi le problème? Ok, ça va aller.
reviens. Oh non, mais je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu, mais tu n'avais pas écouté. Regarde là où ta tête, tu testes ta main maintenant. Entre dans ce cercueil. Chérie, mon amour, ne les écoute ferme pas. Ferme ta gueule. Ne les écoute la pas. La ferme. Comment oses-tu? Ne cherche pas à ce que ma colère s'abatte. Qui es-tu? Il faut sortir de ma parcelle à l'instant même. Je n'ai pas le temps pour toi. Ah! On nous met entre dans ce cercueil. Seigneur. Un cauchemar. Un cauchemar? Tu as eu une affaire avec les gens du monde de ténèbres? Ichi, tu dois vraiment lui parler. Elle tourmente ma famille. Mon fils ne partira pas à ses sanctuaires. Tu dois lui faire comprendre la vérité. De quelle vérité parles-tu? J'ai déjà enceinte de 2 semaines avant que tu puisses m'emmener dans ses sanctuaires. Arrête-moi ces bêtises. De quelles bêtises parles-tu? Ne me dis pas qu'une grande dame comme toi, tu étais enceinte sans que tu ne le saches. Je l'avais juste su 3 semaines après le retour du sanctuaire. J'étais chez les docteurs, ils m'avaient dit que j'étais enceinte de 5 semaines. C'est-à-dire 3 semaines après le sanctuaire et 2 semaines avant. Et ta prêtresse ne veut que faire ce qu'elle désire. Je t'avais bien conseillé en tant qu'ami que tu rentres là-bas dans ces sanctuaires pour le bien de ton fils et de ta propre vie. Écoute, Onome, Ozaï n'est pas quelqu'un avec qui blaguer. S'il te plaît, arrête de pleurer, bébé. Hein? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Mais pourquoi tu pleures comme ça, hein? Je ne veux pas que tu pleures ainsi, mon bébé. Hein? Pourquoi tu pleures comme ça? Oui, entrez. Oh, désolé, oh. Désolé, hein? Désolé. Attends, oh. Attends. Qui est là? Oui, entrez, j'ai ouvert. Oui, maman, ça bonjour. Va? S'il te plaît, prends-le. Oh, mon ange. Comment ça va, bébé? Comment tu vas, mon bébé?
Tu vois maintenant, il s'est calmé quand tu l'as juste pris dans tes mains. Papa est là. Oh oui, hein. Merci. Donne-le-moi. Ok. Les voilà. Regarde-le. Il regarde la lumière. Regarde. Il voulait juste me déranger. Regarde la façon dont il regarde la lumière. Regarde-le. Maman, as-tu vu ma femme? Elle n'est pas là-bas dans votre chambre? Non, elle n'y est pas. Quand je me suis levée, je l'ai cherchée. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Et c'est après que j'ai pensé qu'elle était avec toi ici. Non, elle n'est pas venue ici. Je voulais d'ailleurs venir avec les bébés dans votre chambre pour qu'elle l'allaite. Va la chercher dans la cuisine, non? Cuisine? Non, elle n'est pas dans la cuisine, maman. Je pensais d'ailleurs qu'elle était avec vous ici, dans cette chambre. Malheureusement, elle n'y est pas. Tu es allée aussi là-bas? Oui, maman. Elle n'est pas dans la cuisine. Elle n'y est pas. Allons-y alors. Allons la chercher. Mais tout ceci signifie quoi? Ne pleure pas. On part chercher ta maman. Oh non, mais le jour est arrivé. Qu'est-ce que je fais ici? C'est à moi de te demander qu'est-ce que tu fais dans mon sanctuaire. Est-ce que je suis venue dans ton sanctuaire? Moi, j'ai dormi sur le lit avec mon mari. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici avec vous? Pourquoi cherchais-tu à faire du mal? N'est-ce pas que notre Dieu avait fait sa part de choses? Et pourquoi refuses-tu de faire la tienne? Je te donne 2 jours. 2 jours, oh nommé! Sois averti! Tu as tout compris, je pense. Oui, Sandra. Oui, bonjour. S'il te plaît, est-ce que ma femme était chez toi la fois dernière? Oh non, ne t'en fais pas. Je suis juste en train de la chercher. Il n'y a pas de problème. Maman, que signifie tout ceci? Elle n'est toujours pas venue? Que signifie tout ceci? Je viens d'appeler toutes ses amies, mais personne ne m'a fait part de sa présence. Est-ce que tu as parlé avec celle qui... Maman, je l'ai appelée. J'ai appelé tout le monde. Maman, je pense que la meilleure solution est celle d'appeler la police. Pardon, mon cher, pardon. Tout ceci, je ne comprends rien du tout. C'est votre problème de famille, ce n'est pas le mien. J'ai dit à ma fille Onome de ne pas partir de la maison depuis hier. Parce que j'ai des très bonnes raisons. Maman, qu'est-ce que signifie tout ceci? Qu'est-ce que signifie tout ceci? Comment est-ce que ma femme peut disparaître au milieu de la nuit et jusqu'à présent, elle n'est toujours pas là? Maman, il est mieux d'appeler la police parce que ta fille me dérange beaucoup. Je t'en prie. Chérie, bonjour. Maman, bonjour. S'il te plaît, ne m'appelle pas maman. Toi là, de quel enfer sors-tu? Mais chérie, ce n'est pas vrai. Je viens de la chambre. Ferme-la. Comment oses-tu me mentir? D'où viens-tu? Mon enfant, c'est mieux de dire la vérité. Oh. Maman, il faut lui dire où est-ce que tu étais toute la nuit. Mais je viens de la chambre. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Oh, j'étais là-bas. Oh, dites-moi un peu, j'étais où alors? C'est là-bas que j'étais, non? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas, hein? Laisse-moi aller voir ça, hein? Non, je vais me réfléchir. Rappelle-toi de ce que je t'avais dit. Tu l'as confessé auprès de ton mari. Tu as vraiment besoin de lui. Tu ne peux pas combattre toute seule. La Bible déclare dans les livres d'Ecclésias chapitre 4, verset 9, que 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils auront une bonne récompense pour leur travail. Alors tu dois rentrer à la maison et dire à ton mari. Comment est-ce que je vais confesser devant mon mari que j'étais partie au sanctuaire pour chercher un enfant?
Qu'est-ce que je veux dire à mon mari? Comment? Qu'est-ce que je vais donc faire? Qu'est-ce que je vais faire? Veux-tu me tuer? Veux-tu me tuer? Vas-y alors, fais ce qui te semble bon! Tue-moi! Je te le permets. Mais tu ne toucheras pas mon enfant. Il ne viendra pas dans ces sanctuaires. Pourquoi est-ce que tu me tourmentes? Pourquoi est-ce que tu me rends frustrée? Ça! C'est sans mes résultats. Mes résultats de l'hôpital. J'étais enceinte de 2 semaines avant de venir dans ton sanctuaire. J'étais enceinte de 2 semaines. J'étais enceinte de 2. Je n'échange pas des mots avec de folles comme toi. Veux-tu que je te tue? Je le ferai. Mais pas avant que je ne puisse prendre ton mari et ton enfant. Et cela sera si le 7 jours s'achève. Ça fait un moment que je t'observe. Tu as des attitudes étranges. Ton comportement ne reflète plus la personne que tu es. Qui es-tu? Parce que tu as définitivement changé. Qui es-tu? Tu sais quoi? Tu as réellement de choses à me dire. Tu as vraiment de choses à me dire parce que là, je commence à être fatigué de tout ce drame. Je suis fatigué. Je ne peux plus continuer de vivre avec une femme que je ne connais pas. Et tu sais quoi? Je veux le divorce. Je ne veux plus de ça. J'ai une confession. Mon esprit n'était pas calme pendant ce voyage. Je me sentais comme si j'étais en train de faire une grosse erreur dans ma vie. Mais parce que j'avais demandé de l'aide, je n'avais pas du tout le choix. Et j'étais partie très loin.
Avec tout le courage, j'avais décidé de poursuivre jusqu'à la fin. Juste parce que je désirais avoir un enfant. Et j'étais prête à payer ce prix pour protéger mon mariage, ce qui était plus important pour moi. Le fait d'avoir perdu celui que tu aimais t'a emmené au sanctuaire d'Osaï. La solution que tu cherches, c'est un enfant. Oui, je veux un enfant. Je cherche un enfant. Osaï, le grand dieu de la foudre, te donnera un enfant. En une condition. Cet enfant doit servir Osaï dans toute sa vie. Je suis une femme désespérée. Je promets, si tu me donnes un enfant, si je peux avoir un enfant, mon fils et moi allons servir Osaï le reste de notre vie. Tu auras un enfant comme tu l'as demandé. Mais 7 jours après sa naissance, tu dois l'emmener ici pour le consacrer. Après ça, tu seras instruite de ce que tu dois faire. Ok, je ferai comme demandé. Femme! Comme je le dis, Osaï te donnera un enfant. Rappelle-toi que tu as juré d'emmener ton fils et de servir Osaï le reste de votre vie. Si tu ne le fais pas, Osaï, le dieu de la foudre, va te visiter et toute ta famille avec un désastre. La mort, je te dis la mort, va visiter toute ta maison. Je vais emmener mon fils. Je viendrai avec lui ici. Comme je l'avais dit, je promets, je jure. En fait, si vous me donnez cet enfant, mon fils et moi allons servir Osaï le reste de notre vie. Et au retour du sanctuaire, 3 semaines après, j'étais partie à l'hôpital. Félicitations, madame. Tu es enceinte de 5 semaines. Oh, docteur, merci.
Docteur, merci énormément. Je... Docteur, avez-vous dit 5 semaines? Oui, oui. Enceinte de 5 semaines. Voici vos résultats, madame. 5 semaines? Le résultat, madame. Il y a 3 semaines que nous avons visité le sanctuaire. Cela veut dire que j'étais déjà enceinte de 2 semaines. Lorsque j'avais su cette vérité, j'avais réalisé que j'avais commis une erreur très grave de ma vie. Alors je m'étais dit que je ne partirai jamais dans ce sanctuaire. Quelques semaines après avoir accouché, la prêtresse avait commencé à me menacer que je devais lui emmener mon fils, emmener mon bébé au sanctuaire pour honorer mon vœu à Osaï. Alors depuis là, elle ne cesse de me tourmenter pour que je le fasse. Elle me menace toujours d'emmener mon fils au sanctuaire. Si je ne le fais pas, et vous allez mourir. Non. Je suis tellement déçu de toi. Comment oses-tu commettre une telle bêtise? Je t'avais demandé d'attendre que Dieu nous donne un enfant. Un enfant venant de Dieu, il sera meilleur. Tu ne voulais pas m'écouter. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu étais si désespéré. Pourquoi étais-tu désespéré? Dis-moi la raison pour laquelle tu étais désespéré. Hein? Je n'arrive même pas à comprendre ce qui s'est passé avec toi. Et regarde maintenant ce dans quoi tu t'es vautré. Écoute-moi bien et tu vas m'écouter attentivement. Je ne suis pas partisan d'une quelconque organisation ou d'une secte ou quoi que ce soit. Et tu dois retenir cette chose que je t'ai dite maintenant. Ça, jamais, jamais, alors au grand, jamais, je ne pourrai déléguer mon pouvoir à qui que ce soit. Et ça, tu dois le retenir dans toute ta tête. Et tel que je te l'ai dit là, retiens-le. Je suis désolée. Tu n'importe quoi. Je t'en supplie, je suis désolée. Je t'en supplie. Est-ce que tu peux laisser mes pieds libres? S'il te plaît, mon mari. Je t'en prie. Ça, ce n'est rien d'autre qu'une déception. Tu m'as vraiment déshonorée. Désolée. Je t'ai demandé de laisser mes pieds libres. S'il te plaît. Va-t'en là-bas. Mon mari, s'il te plaît. Tu m'empêches de fermer la portière. Pardonne-moi, chérie, s'il te plaît. Va-t'en là-bas. Je t'en supplie, chérie, s'il te plaît, je suis désolée. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en prie. Pardonne-moi, ouvre, s'il te plaît. Désolée, je t'en supplie, s'il te plaît, chérie, s'il te plaît, j'en prie.
je pleure, hein, mon bébé. Désolé. Désolé, hein. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ok, c'est bon. Désolé, mon bébé, hein. Désolé, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Ok, c'est bon. Désolé. Dis-moi, il y a quoi? Désolé, mon bébé. Je dis désolé, non? Oh, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Ok, arrête, hein. C'est bon. Ah, je suis là pour toi. Je suis là. Désolé, arrête de pleurer. Mon amour, le petit déjeuner est prêt. Mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie, chérie. Je t'en prie, chérie. S'il te plaît, ne laisse pas que ces choses puissent t'emporter. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça. S'il te plaît, trouvons une solution ensemble. S'il te plaît, mon mari. Laisse-moi. S'il te plaît, chérie. S'il te plaît. Oh non. Oh non, mais... Il faut qu'on amène les bébés à l'hôpital. C'est pourquoi. Il a de la fièvre. Jésus, ça c'est sérieux. J'arrive, maman. Je prends la clé de contact. J'arrive maintenant. Attends-moi ici. Hé! Oh mon Dieu! Il y a quoi? S'il te plaît, chérie. Le bébé est très malade. Quoi? On essaie d'aller à l'hôpital maintenant. Je lui ai placé sous une couveuse. Et puis, je ne pourrai vous assurer de quelque chose jusqu'à ce que je puisse trouver ce qui dérange énormément ces bébés. Mon mari. En tout cas, je souhaite que tu m'écoutes attentivement. Si tu as une mainmise dans cette affaire, alors tu vas prendre soin de résoudre ce problème seul. Parce que moi, là, je n'ai aucune affaire avec quelqu'un qui puisse toucher la santé de mon enfant. Et si quelque chose arrive à mon fils, tu vas regretter. Tu regretteras le jour où tu as posé tes deux yeux sur ce visage. Tu le regretteras énormément. Aïe! Aïe! Qu'est-ce qui se passe? Aïe! En tout cas, son état est
très critique. La moitié de son corps a été paralysée. Jésus. Jésus, non, pas ça. C'est bon, madame. C'est bon. C'est bon, madame. Calmez-vous. Docteur. De toutes les façons, il faut qu'on essaie d'intervenir d'encore en 5 minutes. Sinon, le reste de son corps sera aussi paralysé. Je te supplie. S'il te plaît, fais tout ce que tu peux. Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce oui, que vous pouvez. Oui, c'est bon, madame. Levez-vous. Oui, calmez-vous. Docteur. Nous allons faire notre mieux. Asseyez-vous. Asseyez-vous, madame. Asseyez-vous, madame. Hein? Ne vous inquiétez pas. Hein? Tu dois payer 1 020 000 naira pour commencer son traitement. Oh, docteur, pas de problème. Laisse-moi aller à la banque. Je vous reviens bientôt avec l'argent. J'arrive. Ok, madame. Merci. Excusez, madame. Rappelle-toi, 45 minutes. Avec cet homme, hein? Il va me sentir. Tazos. Tazos, es-tu stupide? N'as-tu pas entendu mon klaxon? N'as-tu rien entendu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et puis je te parle, tu es en train de regarder à côté. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Es-tu devenu fou? C'est pas toi que je parle. Alors lève-toi vite et va m'ouvrir le portail. Idiot. Ouvrir le portail. N'ose même pas du tout essayer de guérir ton mari. Ton mari ne sera bien que si tu emmènes ton fils au sanctuaire. C'est ce qu'Osaï demande. Rappelle-toi, tes 7 jours étaient déjà épuisés. Tu vas te blâmer toi-même. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Docteur, je veux que tu décharges mon fils maintenant. Excusez-moi. J'ai dit, je veux que tu libères mon fils. Mais. Docteur, tu me fais perdre le temps. Libère mon fils maintenant. Oui, ok. Calmez-vous d'abord. Infirmière.
Répète après moi. Moi, on nommait ta mère. Moi, on nommait ta mère. Te consacre. Te consacre. Au grand Osaï, le dieu de la foudre. Au grand Osaï, le dieu de la foudre. Tu seras son serviteur. Tu seras son serviteur. Et il sera ton maître. Et il sera ton maître. Rien n'arrivera entre toi et Osaï. Rien n'arrivera entre toi et Osaï. Même pas pour moi, ta mère. Même pas à moi, ta mère. Le grand Osaï, je te consacre, mon fils. Le grand Osaï, je te consacre, mon fils. Le grand Osaï. Le grand Osaï. Le grand Osaï. Emmène-le après chaque 7 jours et il passera aussi 7 nuits ici au sanctuaire pour terminer les rituels. Et lorsqu'il aura 30 ans, tu vas me le ramener pour du bon parce que c'est ici sa maison. Toi, fils d'Osaï, là-bas de l'autre côté, derrière le petit chemin d'Inchara, se trouve ta maison. Lève-toi, fils d'Osaï. Bouge-toi. Lève-toi et bouge-toi. Oui, fils, bouge. Lève-toi. Ça, c'est pour toi. Maman, pourquoi est-ce que tu ne veux pas me parler? C'est quoi le problème, effectivement? Je t'ai dit que je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. En fait, je suis vraiment désolé pour tout ce stress. Stress? Maman, écoute, tu sais, si tu m'accordes ce pardon, je serai beaucoup très heureux. J'apprécie vraiment ce que tu as fait pour moi. Je suis vraiment reconnaissant. Et je promets de ne plus connaître ces troubles prochainement. Troubles? Tu parles de cette condamnation comme un trouble? Austin, c'est comme si tu ne comprends pas ou tu ne veux pas réaliser pourquoi on t'a condamné. Hein? Si ce n'était pas par la connaissance de ton père, tu allais rester à la prison. As-tu une idée de comment se présente la prison? As-tu? Une minute, maman, une minute. Est-ce que tu crois vraiment que je suis parmi ces tueurs-là?
Austin, les enfants qui grandissent de la façon dont toi tu as grandi ont toujours des petits soucis avec et sont condamnés à beaucoup de choses. Et je suis vraiment très déçue. J'espère. Maman, vous voulez dire quoi exactement? Ok, vas-y, insulte-moi. Vas-y, insulte-moi. Maman, non, tu sais, c'est de ta mère que tu parles? Je ne vous ai pas insulté. Écoute, je ne veux pas continuer avec cette conversation. Désolée, j'ai déjà eu ma dose. Tu n'as pas idée de ce qui m'est arrivé aujourd'hui pour juste faire sortir ces garçons insensés de la prison. Hmm? Si tu savais ce dont on m'a accusé, ils m'ont jugé, moi. C'était juste pour le faire sortir. Écoute, je vais te dire, imagine un peu ça qui... Je n'ai jamais, jamais, jamais été insulté comme ça. Je veux dire, moi, qui est en train de... Tu vois ta vie? Mon mari, comment tu peux me laisser parler toute seule comme ça? Rien que du drame. Que du drame. Chérie, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Je me comporte comment? Mais pourquoi tu n'as même pas souhaité la bienvenue à ton fils? Mon fils? Ah, je me rappelle. Non, tu sais, j'ai toujours oublié que nous étions en congé. C'est quoi ça? Regarde, chérie, écoute-moi. Ne peux-tu pas voir que ce garçon n'a même pas une goutte de bonne manière? Tu devrais les laisser moisir là-bas. Ou peut-être... il aurait appris quelques leçons de l'autre côté. Moi? Laissez mon fils au milieu de nulle part pour qu'on les tue. Vraiment? Ces voleurs et tueurs ont aussi des mères et toi tu les sais bien. Et ils ont probablement commencé la manière dont ton fils commence. Chérie, écoute-moi. Toi et moi sommes conscients. Austin est le problème. Un grand problème. Je t'ai averti. Je suis au courant maintenant. De quoi tu parles? C'est bien Osaïe. On n'a jamais parlé de ces choses. Pourquoi tu le ramènes maintenant? Mais c'est comme une blague. Pour toi de toujours chercher de problèmes. Et tu trouves toujours comment dormir dehors. Eh bien, je pense que j'ai une mère qui m'aime beaucoup. Ouais. Parce que si ce n'était que mon père, j'allais pourrir là-bas. Ça c'est vrai. Parlant de toi en passant, je pense que j'ai la chance de bien choisir mes amis. Et de ce fait, je vais abandonner le trouble. Je suis d'accord avec toi. En fait, je suis d'accord avec toi. Tu sais, être accusé de crime, cela est tellement terrible. Tu y penses vraiment? Je suis sérieux, frangin. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Toi, hein, toi là. Écoute, mon ami, je te connais depuis toute ma vie. Comment est-ce possible que tu peux me poser cette question? Regarde-toi. Tu ne peux même pas tenir une arme. Voyons, ton papa, penses-tu que c'est toi qui l'as assassiné? Tout ce qui est vrai, c'est qu'il ne dit absolument rien.
Ok. Essayons d'aller un peu plus tout droit. Après que vous êtes battu, tu l'avais laissé là-bas en vie, n'est-ce pas? Alors, qui l'a tué? Je pense que l'opportunité aurait été très importante et quelqu'un l'aurait saisi dans ce sens-là. C'est triste. Très, très triste. Alors, triste. Dis-moi, quand est-ce que tu vas emménager ici? La semaine prochaine. La semaine prochaine? Même la semaine prochaine, oui. Ah, mon cher ami, tu vas beaucoup me manquer. Oh, s'il te plaît. Tes blagues vont aussi me manquer, hein. Quand viendront les visiteurs? Hein? À quelle heure précise vont-ils arriver ici? Hein? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Selon toi, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de lire la Bible. Lire la Bible. En tout cas, tu lis la Bible. Lire la Bible. En tout cas, toi, vraiment, tu lis la Bible. Ah, elle lit la Bible. Tu as reçu mon mail? Il sera à l'aéroport de Mouaritala Mohamed vers 7h dans 3 jours. Essaye de trouver où il va aller. Je ne sais pas, peut-être qu'il va choisir un très bon hôtel. Et je pense qu'il restera dans sa chambre. Et quoi que soit ce qu'il fera, mais ce que je sais, il ne sera peut-être pas prudent. L'argent n'a jamais été un problème. Tu recevras une alerte dans quelques secondes. Je suis ta destinée. Personne ne peut survivre en dehors de sa destinée. Tu appartiens à Osaï jusqu'à ce que tu reviendras le servir dans son temple. Les chagrins et les larmes continueront de te suivre tous les jours de ta vie. Pour cela, tu y arriveras.
Tu ne veux pas descendre? Tu veux seulement rester dans la voiture? Maman, je ne comprends pas. Est-ce que je dois nécessairement venir avec toi? Bien sûr que tu vas venir. C'est toi qui as besoin de la prière. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas intéressée dans tes affaires de l'église. Quoi? Je dis, descends de là. Ok. Je partirai. Deux, trois, c'est parti. Et c'est tout? Ce sera dans 6 mois. Ne reviens pas avant 6 mois. Dans 6 mois? Et pourquoi est-ce qu'il me charge de faire ça? Arrête de me faire perdre mon temps. C'est quoi ça? Hein? Pas de détails, pas de photos. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il n'y a que ça. Vous vous amusez, d'accord? Comment pensez-vous que je peux mener une telle mission dans 6 mois? C'est normal, ça? C'est pas impossible. D'accord. 6 mois. Et je pense que cette mission sera facile pour moi. Merci beaucoup. De rien. Bon appétit. Bon appétit. Cet endroit est très beau. En tout cas, j'aime. Oh non, ça ce n'est absolument rien. Tu vas patienter jusqu'à ce que tu prendras le vin, ouais. Non, l'eau est bonne pour moi. Non, mais ça c'est du vin. Je ne prends pas l'alcool. Vraiment? Mais ne t'en fais pas, ce n'est que 5% d'alcool. Non, l'eau me suffit. Oh bon sang. Arrête de faire le modeste. Ah, tu as dit modeste? Dis-moi un peu, n'est-ce pas ennuyeux? Qu'est-ce qui est ennuyant? Église, maison, maison, église. Non, ce n'est pas ennuyant. Tu veux me dire que tu évites de prendre l'alcool pour éviter le péché contre Dieu? D'où est-ce que ça provient?
Ok, c'est bien. Écoute, ne penses-tu pas que la plupart des gens vont à l'église juste parce qu'ils ont des problèmes? Ce n'est toujours pas ça. Regarde, tu sais, la plupart des gens vont à l'église juste parce qu'ils sont confrontés à des situations et des problèmes qui dérangent leur vie. Ai-je l'apparence d'une fille qui va à l'église juste pour ce que tu penses? En tout cas, ce n'est pas ce que je voulais te dire. Ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que... tu es comme ce genre de femme que j'aime et avec qui je voulais vivre. Tu sais que je peux exactement me rappeler de la fois où je t'avais vue. J'étais totalement aveuglé par ta façon de chanter. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment emporté et je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. Et maintenant, tu ne veux même pas prendre un verre. Tu sais, je n'arrive pas à comprendre ça. Je comprends, mais ce n'est pas le cas pour moi. Regarde, laisse-moi te rappeler que si je te parlais, je t'aurais en une seule fois. C'est-à-dire? Écoute, tel que je l'ai dit, laisse-moi te rappeler, ma chère, que Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin. Non, je n'ai rien dit de si drôle. Je pense que tu ne connais pas très bien la Bible. Écoute, tu as ma parole. Je t'amènerai à la maison une fois qu'on aura fini. Si tu veux bien. Ah ouais, je t'ai dit. Tu vois, tel que je te l'avais dit, il n'y a pas beaucoup de pourcentage d'alcool. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Écoute, prends ça, tu vas aimer. Écoute, je ne fais jamais ça. Je ne goûte même pas à l'alcool, moi. Tu vas aimer ça, tu vas aimer. Ok. Mais c'est bon. Tu vois ce que j'avais dit. C'est très fantastique. Prends encore. J'ai aimé. Et est-ce que tu peux me aller passer la commande pour en avoir plus? Ruth! Oui, maman. Où est-ce que tu vas? La réunion des sœurs n'est pas encore finie. Désolée, maman. J'ai pensé qu'il n'y avait que le programme de la prière. Ok. Attends un peu. Est-ce que tu vas au rendez-vous avec un homme? Quoi? Non, maman, d'où est-ce que ça provient? Parce que j'ai entendu l'histoire d'un certain jeune homme qui vient te chercher à chaque fois qu'il y a réunion de sœurs. Et j'ai aussi vu cela par tes yeux. Ah, non, maman, c'est juste un ami et puis il ne vient pas toujours chaque fois qu'on a répétition. Non, pas de problème. Mais ma chère, si c'est le bon... S'il te plaît, fais-nous savoir. Ok, bye. Pas de soucis. Toi aussi. Oh, c'est quoi? Je veux dire, cela doit avoir quelque chose avec cette fille parce que... Ça doit être quelque chose d'effort parce que tu ne manges même pas ici à la maison. Maman, j'ai mangé. Oh, je n'ai pas remarqué ça depuis 3 semaines. J'ai fait ça juste parce que Ruth et moi mangions dehors. Ruth? Ruth, oh, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ruth, est-ce que je peux la rencontrer? Je parle de Ruth. Maman, tu sais, tu l'as déjà rencontrée. C'était le jour où nous étions à l'église avec toi. Vraiment? C'est exactement le jour où nous étions allés voir le pasteur. L'une des deux filles qui chantait de manière angélique là. Mmh.
Je ne me souviens pas. Maman, tu sais quoi? De toutes les façons, elle a déjà été ici. Ouais. Elle était là? Oui, absolument, maman. Tu sais, non? Tu sais comment les choses se sont passées. Oh, intéressant. Maman, tu sais quoi? Je dois déjà partir. Oui. Austin? Quand tu vas rentrer, j'aimerais avoir une conversation avec toi. Ok, maman. Ça, c'est Mugabe, hein? Oui. Une femme? C'est ce que nous deux pouvons voir. Attends une minute. Ce que tu essayes de me dire, c'est que je devais prendre 6 minutes pour assumer une mission pour une femme? Mon cher, dis-moi, pourquoi est-ce qu'il veut qu'elle meure? Ne me pose aucune question et je ne te dirai pas de mensonge. Laisse-moi te dire que ça, c'est une des grandes bêtises. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Écoute bien, mon cher, je ne peux pas aller à une mission comme celle-ci. Tu connais ma capacité de travail et ça me rend faible. Là, ça te concerne. Au moins, je n'ai passé que le... Hé, assieds-toi. Écoute-moi bien, alors tu vas très bien m'écouter. Si tu essaies de m'amener par ton chemin, je vais dépouiller tout ce qu'il possède. Alors laisse-moi te dire, personne, tu comprends? Alors personne ne me pousse contre mes volontés. Le boss veut parler avec toi. Allô? Oui, personne ne me refuse, Austin. Ça fait tellement longtemps que j'étais en train de patienter depuis que je t'avais confié une mission. Je t'avais dit que je la voulais hors de mon chemin. Mais c'est une femme! Donc, tu refuses de la tuer? Et il n'y a pas une manière pour toi, pour que toi tu puisses tuer une jeune femme? Non, mais écoute, tu sais, ça ne sent pas bon. Mais mon argent sent bon pour toi, n'est-ce pas? Écoute, si c'est à propos de l'argent, je peux te le restituer. Non, mais qu'est-ce qui se passe, non? Alors, surveille ta manière de parler au boss. Austin, est-ce que tu es là? Je vous suis, monsieur. Si tu es fatigué de faire ce boulot, je te laisserai. Mais si seulement je n'ai pas à rendre visite à cette femme adorée dont le nom est Onome. Épargne ma maman de tout ceci. Elle se porte tellement bien. D'ailleurs, je l'avais vue quelques semaines passées quand elle partit pour l'église. J'avais parlé avec elle, si ma mémoire s'en souvient. Et ça, c'est ce que tu t'es résolu de faire? Non, si tu ne me tournes pas les dos, jeune homme. Et si tu ne me donnes pas l'ultimatum avant, je commencerai le jeu moi-même et je ne laisserai que lorsque je serai tellement fatigué.
Allons-y. Bonsoir, monsieur. Vas-y. Mon mari. Mais qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce qu'il y a de mal en un homme qui cherche à découvrir certaines relations sur une fille venant chercher son fils? Ça signifie pas ça, oh. Ça signifie que tu veux la chasser. Effrayé, pourquoi? Mais si c'est le cas, je ne le ferai pas individuellement. Demande à ton fils Austin. Il est le plus effrayé dans toute cette affaire. Une bonne fille ayant une bonne moralité n'aura rien à voir avec ce genre de fils que tu as. Jusqu'à même l'épouser. Mon mari, ce que tu essaies de faire, c'est d'enlever les bébés qui est déjà dans un baignoire. Ah, c'est normal pour un homme de son âge d'avoir une petite copine. Tu l'as assez crucifiée. Tu peux arrêter de dire ce que tu dis là. Arrête. Être accusé de meurtre est une grave infraction contre la loi. Et ton fils Austin a commis beaucoup d'infractions. Beaucoup d'infractions. Et ça, c'est pas normal. Les gens veulent seulement lui faire du mal. Je veux dire, tous ses amis, la gangster. Hein? Maintenant qu'il a appris la leçon, il veut rester loin de ses garçons. D'ailleurs, s'il a un boulot, il sera... Combien de fois est-ce que je lui ai donné cette chance d'aller travailler pour quelqu'un gagner de l'argent? Combien de fois? Plusieurs fois? Ah, je veux dire, tu sais comment sont les enfants. Tu sais, les enfants d'aujourd'hui, ils ne suivent pas leurs parents. Ils font les choses par... Ah, oui, c'est comme ça que tu défends ton fils. Tu les soutiens à faire de bêtises. C'est ça, non? Et est-ce que tu te rappelles de tout ce qu'on a dû dire sur les instructions du diable? C'est comme ça que tu aimes exposer toutes les situations. Ok, c'est bon alors. Moi je monte au-dessus. Je te laisse comme ça. Tu vas mériter tes mal. Mathilda, comment vous allez ici? Sœur Ruth, mais pourquoi tu viens à l'église à 7h? Oh. On avait commencé depuis le matin, mais regarde l'heure à laquelle tu viens. C'est vrai, désolée. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Comment ça? Y a personne à l'intérieur. Ma sœur Ruth, tu es ma meilleure amie. On a été amies depuis longtemps. Et je suis libre de te dire la vérité à chaque fois que je veux. Ta vie chrétienne est en péril. Oui, quand je dis en péril, c'est vraiment en péril. Et je pense pas que cet homme Austin est le bon pour toi. Excuse-moi, Mathilda. Austin n'est pas ton problème. Tu es ma meilleure amie. Tu sais très bien comment est-ce que j'avais perdu mes deux parents. Tu sais bien combien de fois mes oncles voulaient me violer. Et tu sais comment est-ce que j'étais venue à l'église. Et maintenant, tu veux me bénir avec un homme qu'on appelle Austin? Tu n'es pas contente avec moi? Sœur Mathilda, pour l'amour de Dieu, je suis vraiment déçue de toi. Je te prie de quitter près de moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu n'es plus mon amie. Ok? Ne me parle pas si tu me vois.
fait conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal. Maman, vous êtes là? Oui, bonjour mon fils. Prêt pour le travail déjà? Oh oui. Tu sais quoi? Papa m'a fait beaucoup de problèmes. C'est un travail ouvert. Je sais, maman, mais il arrive des moments dans la vie d'une personne où il a vraiment besoin de se reposer. Tu sais très bien, maman, à l'âge avancé, je ne serai pas capable de pouvoir faire tout ce que les jeunes font. Raison pour laquelle je me bats pour tout faire maintenant. Tu fais quoi maintenant? Tu viens de dire, c'est à cause de ça que tu fais tout ce que tu fais maintenant. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu sais, je ne fais absolument rien, maman. C'est juste que je suis en train de t'exhorter à comprendre que je suis encore jeune, je dois tout faire maintenant. Austin, tu as vraiment besoin d'un travail. Maman, si tu es en train d'essayer de me dire que je dois chercher à trouver un travail dans ce pays, en tout cas, je ne le ferai pas. Là, je te dis, c'est vrai. Tu ne peux surtout pas vivre seulement avec ce que nous on te donne. Et d'ailleurs, le pasteur a dit qu'il voulait te voir. Maman, écoute, je vais très bien me porter. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Et dès la dernière fois que j'ai vu le pasteur, c'est parce que tu m'avais parlé de ton rêve. Et pour le moment, j'en ai déjà marre de toutes ces affaires de l'église. Oh, est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses pour vivre? Oui, tu vas aller. Tu dois connaître Jésus. Et tu as besoin de lui aussi. Maman, tu sais quoi? Je suis juste en train de prendre mon déjeuner et tu te mets là en train de me parler des choses qui ne me mettront pas à l'aise. Mais pourquoi? En tout cas, j'emballe ma tasse et je vais en prendre dans ma chambre. Ce n'est pas tout à fait normal. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec Jésus? Hein? J'en ai marre déjà. Oh mon Dieu. Regarde, nous n'avons plus de temps à perdre. Je ne peux jamais le faire. Non, mais est-ce que qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que c'est normal? Mais toutes les femmes ici les font. Et d'ailleurs, nous n'avons pas beaucoup de temps pour se mettre à discuter sur ces sujets, d'accord? Il faut comprendre que c'est pas grand-chose. Austin, qu'est-ce n'est pas un grand deal? Écoute, quand deux personnes ne sont pas capables de tenir un enfant, c'est la seule chose qu'ils font. Et est-ce que tu comprends? Ça, ce n'est pas une grande affaire. Hein? Tu dois comprendre que c'est la seule chose que nous pouvons faire. Je ne l'ai jamais fait auparavant, Austin. Et tout ce que je pense, c'est que tu dois absolument le faire. écoute, je comprends parfaitement les émotions qui sont en train de t'emporter. Austin, s'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, prends juste tes responsabilités, s'il te plaît. Je vais subir la honte. Les gens vont toujours parler. Oh, écoute, je ne suis absolument pas prêt pour ce genre de responsabilité. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Tu dois comprendre que je ne le suis pas. C'est ce que tu me dis, Austin. Non, mais attends un peu. La dernière fois qu'on a eu à faire l'amour, je ne t'ai jamais trouvé vierge, là. Austin, as-tu beaucoup de femmes? Non, mais attends. Nous avons fait l'amour juste une seule fois et tu viens ici pour me dire que ce bébé est absolument au mien? Jésus, Austin, pourquoi est-ce que tu me parles ainsi? Ça, c'est un embarrassement. Tu m'as fait fuir l'église. Écoute, tu dois absolument faire ce que je vais te demander de faire maintenant. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est que tu puisses aller, qu'on puisse enlever ce qu'il y a là. Et puis, l'affaire sera résolue. Attends. Ce n'est pas important de faire toutes ces choses maintenant. Je m'excuse. Calme-toi, s'il te plaît. Je t'aime vraiment. Je t'aime, chérie. Si vraiment tu ne veux plus de moi,
Permets-moi juste d'avoir ce bébé. S'il te plaît, je ne peux pas, sans nom. Pourquoi tu ne veux pas que j'aie ce bébé? Écoute, en tout cas. As-tu d'autres femmes à l'extérieur? Je ne suis pas absolument prêt pour ce genre de responsabilité. Je ne suis pas prêt pour avoir un bébé maintenant. Pourquoi? Austin. Je ne suis pas ce genre d'homme. Oh, m'avait averti. Tu veux que je te dise quoi du moment où je te parle des choses que tu ne comprends pas? Austin. Quand je te parle. Austin, non. Tu dois vraiment. Arrête d'abord. Laisse mon bras. Tu ne peux pas me quitter ainsi. Austin. Austin, s'il te plaît. Austin. Laisse-moi. Mon Dieu. Austin et moi, on a eu une conversation ce matin. Il dit qu'il n'est pas du tout intéressé. Même le pasteur a dit qu'il a besoin de... Non, mais attends un peu. Essaie d'épargner le pasteur de ceci. Regarde, sache que je ne me laisserai pas emporter par... c'est une nouvelle vague de chrétienté que tu nous apportes. Avant, c'était Osaï, donneur d'enfants. Aujourd'hui, c'est la Bible que tu nous apportes ici. Osaï était une erreur. Je veux dire, je sais tout ça. Je t'avais prévenu, ma chérie, je t'avais vraiment prévenu. Hein? Et tu es vraiment la personne qui a compromis l'avenir de cet enfant. Tu es la raison première de toute sa rébellion et sa désobéissance. Regarde, tu sais ce que tu dois faire maintenant? C'est l'interpeller et accepter de lui dire la vérité. Quelle vérité? Mais de quelle vérité? Tu sais absolument de quoi je parle au nommé. Ok, c'est bon. J'accepte que c'est moi qui suis fautive. Mais rappelle-toi que je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour ton bien, pour que tu aies au moins un fils. Maintenant, là, je suis vraiment toute fautive. Ok. Tu ne vas même pas emporter mon déjeuner avec toi. Va le prendre toi-même. Ruth, la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal ne soit pas souillé. Dans une fois, Ruth. Oh, tu te souviens toujours de ça? Tout ce que j'ai eu à faire. Je ne comprends pas comment est-ce que le diable avait pu me captiver. C'était juste une nuit. Et il m'avait demandé de goûter l'alcool. Et après ça, je ne sais plus ce qui s'était passé. Donc, il n'a pas participé dans tout ça. Il ne veut plus me voir, j'ai honte de moi-même. Ok. Je vais appeler sa maman ce soir. Je vais l'appeler pour arranger les choses. Mais ça fait un moment que je ne la vois plus à l'église. Moi aussi. Mais ma chère, tu dois faire face à ces conséquences. Hein, ma chère, tu sais, on n'a pas de choix. Je prie Dieu de nous donner la force pour arranger toutes ces choses. Amen. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code
plus 234 si vous êtes à l'extérieur. À Forevo, le guichet unique pour tout divertissement. Come back, it's waiting for you.